mal pour nos pays. Il y a trois affaires qui nous effraient. Premièrement, c'est au niveau de transparence, il faudrait que nous framework qui permette transparence dans les choix du monde pour faire l'exploration. Seconde affaire au niveau fiscal, il faudrait que nous capables d'assurer que le pays tient le maximum de bénéfices de sa valeur, fruit, espérer que vous trouvez, c'est pour les gaz en Maurice. Et troisième chose, bien sûr, c'est protection de l'environnement. Tout bon pays, il fait un framework, Maurice en pose calaire, plein d'environnement, donc plein d'exploration. Et second, bien sûr, vous pouvez passer et nous laisse sa grande opportunité de Maurice, clé, la clé de l'étoile de l'océan Indien. Vous connaissez Maurice aujourd'hui, entre dans la route de la Chine et l'Europe là, et ça, projet clé et l'étoile de l'océan Indien, il révèle la réalité aujourd'hui. 30 000 bateaux qui passent à travers le golfe et nous pas réussi encore à développer le projet Bunkering qui pourtant finalement c'est depuis novembre dans le budget. Donc c'est un affaire très important au niveau de l'économie. Donc confiant de ces mesures là qui vous pensent les faits avec l'équipe qui est nécessaire sur ça de Jacques, nous avons annoncé, c'est à nouveau annoncé hier un projet vraiment fort, un projet révolutionnaire, c'est-à-dire augmentation substantielle de la pension de vieillesse. Basic Retirement Pension aujourd'hui, il y a 3623 rupies. On peut augmenter avec effet immédiat pour le propre gouvernement à 5000 rupies par personne. Un couple, c'est 10000 rupies par personne. Et bien sûr, avec pas le palier, on va être beaucoup plus vieux. Avec l'augmentation, on va être beaucoup plus vieux. Donc, nous préconisons, si on ajoute à ban personnes âgées, ban handicapées, ban les autres, tout le monde qui peut recevoir ce genre de pension-là, mais cause là où 200 000 personnes, là où 200 000 personnes qui vont profiter de sa pension de 5 000 euros par mois, par personne, comme dire pour un groupe, vous pouvez être 10 000 euros. C'est un projet, une mesure révolutionnaire qui vous change à jamais la vie de tout un récipient de sa pension, chez vous, un vieux, allez, mon gosse, un vieux et vieille, mais ça vous change la vie de façon révolutionnaire. Donc ça c'est une chose. Nous causons aussi bien la méritocratie. Il passe bien sûr par renforcer la loi sur l'égalité des chances, alors qu'il finit qui nous trouve, il peut lancer une bulldog sans dents, et donc nous visons renforcer la loi sur l'égalité des chances. Nous avons annoncé que dorénavant, comme un grand gouvernement, au niveau du One Service Commission, c'est-à-dire PSC, LGSC, Discipline Forces Service Commission, etc. Tout ça va de Service Commission. Ça, quand tu fais, quand tu vas là-bas pour faire job interview et pour filmer. Comme ça, tu vas là pour assurer qu'il fait une bonne interview ou une mauvaise interview. Puis vous gagnez sur disque, vous gagnez sur application cassette, vous gagnez sur CD. Le gars prend les allées et vous contestez. C'est parce que souvent, t'as du monde fait interview. Mais là, le recrutement final est décidé en nos lieux. Nous tout connaissons comment ça passe. Et donc ça vous donne un grand sous des frais dans le recrutement dans le service civil. Ça cause aussi au niveau de la pauvreté, nous cause ça qui m'amène au niveau social du travail. Logement, mais c'est un gros problème. Tout le monde dans finances connaît qui n'a énormément d'argent dans le coffre de l'NHTC, qui n'est pas réussi au fil des années, dans milliards dans le coffre de l'NHTC. Au fil des années, il est incapable de démarrer le projet, tout le projet finit démarrer, finit bloqué quand même. Et donc, il est important qu'il nous démarre une fois pour toutes, construction de la case, et nous dire qu'il nous espérait construire jusqu'à 2000 maisons par an, et nous démarre ce programme-là dans les 3 mois. Après, la paix du pouvoir. Ça content aussi. Trois points. L'économie, pension vieillesse, logement, méritocratie. Trois points principalement, ça content. Nous avons envie de renforcer concernant le discours de San Jacques hier. On faisait juste, dans le moment de cause qu'on pense à ce salariat, réitérer le fait que nous sommes sortis. La Vinchala ambulante qui insultait par le travailleur en étant absent pendant le démarrage tripartite, non seulement fin absent
dans les mariages tripartites qui concerne le pouvoir d'achat, le niveau de vie de 550 000 travailleurs et toutes les familles. C'est l'île Maurice entier qui est concernée. Finalement, il fait un discours à Londres, un discours qui d'ailleurs n'a pas couvert par aucun journal anglais. Non seulement le film fait ça, mais là, nous avons trouvé le 2 octobre, aujourd'hui, le 13 octobre, le film déroule 11 jours déjà depuis le démarrage, et jamais, en tout cas, nous avons trouvé qu'il était très parti, prend autant de temps que ça. Normalement, 2-3 jours après, le comité technique joint et fini, le travail a fini en même temps qu'aujourd'hui. Donc, c'est des affaires qui peuvent prendre beaucoup de temps. L'éclair, c'est en vie attendre après meeting pour annonce. Compensation que la classe travailleuse méritait grandement. Pour terminer, panique. Oui, on est content aussi mentionner concernant la compensation salariale qui s'approche de salaire minimum. Ça, c'est une affaire que tout mal parti bien discuté. Au niveau du gouvernement à l'époque, on a amené plusieurs fois. Ça qui m'a amené des sautés de lui aussi, j'avais dit. Ce n'est pas lui qui me bloquait, mais les autres collègues dans le cabinet. Finissons ce projet-là. Et c'est une affaire qui nous considère essentielle pour les Mauriciens. Une cause d'augmentation au niveau de vie, au niveau pension vieillesse, une cause compensation salariale et salaire minimum, un point essentiel de notre programme. Et arrivé là, c'est que nous pensons. Qui va nous aussi avoir d'accord avec nous, qui est énorme beaucoup d'exploitation par petits employés dans le secteur privé. Énorme beaucoup d'exploitation. Qui, partons là, qui abuse dans plusieurs secteurs, comme pour l'exploration, même par l'emploi, et maintenant, il y a plein de portes, et abuse de la faiblesse des bandits, nous, c'est justement de la bande de la etc. Alors qu'il dit, il peut rouler la BMW, comme on était hier, le travail là, il peut le faire, c'est un soulier. Donc, on prend même un salaire minimum, que ce soit par heure, ou par jour, ou par semaine, par sur nous, qui tout le monde capable de gagner un salaire décent, qui permet de vivre dans la dignité à l'Inouïs. Donc, pour finir, je dire clair qu'il y a beaucoup d'indécis. Mais vivre avec l'Alliance de Peuple, c'est clair qu'hier, on dit que l'indécis fait join l'Alliance de Peuple et que ça ne peut qu'augmenter, c'est pourquoi. C'est à nouveau de donner un petit conseil d'armée à l'armée. Alors, nous l'avons dit, dans son propre intérêt, faire un petit peu vite, parce qu'il est clair que de jour en jour, dans une circonscription, dans toute la circonscription, il y a un appel, 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 l'alliance, les peuples. Il est clair que ça permet d'être panique dans notre adresse. Nous condamnons fermement le Parlement dans une situation où aucune date d'élection finalité. Donc, tout ce qu'on veut faire au Parlement, date d'élection qui veut donner tout de suite, ça pourrait nous faire parler, ça veut dire pas être capable de tomber d'accord ou date d'élection. C'est pas si capable de tomber d'accord ou date d'élection. Qui raison faire parlement, sauf raison empêcher de l'opposition pour ce qui est lieu, sauf raison empêcher l'opposition pour ce qui est parlementaire. La population disait qu'on est clairement qu'il n'y a aucune logique d'en faire parlement, sauf empêcher l'opposition de ce travail dans une situation où date d'élection pas être capable de décider. Et ça, vous pensez que c'est un point très important. Maintenant, on finit par dire que Napoléon, c'est toujours bien évident, il disait jamais où on peut son adversaire faire une bêtise. Jamais où on peut son adversaire faire une bêtise. Il dit que c'est un minimum, c'est un minimum, jamais où on peut son adversaire faire une bêtise. Et c'est pour cette raison-là, nous voulons qu'il passe à la RIS et nous-mêmes. Nous devons rester ensemble dans une coalition parce qu'ils ont beaucoup ensemble. Merci. Pour cette à la population un rapide humain. Merci. Merci au Sven Salihoun, à Ivan Xavier, pour remercier tous les partisans du MSM, du PMSD, Mouvement Libertaire, et aussi la population, une bonne partie de la population qui nous bougeait, ben jeune, ben madame, ben moins jeune, ben fonctionnaire, de toute catégorie qui compose nos nations arc-en-ciel.